retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai ressorti ma broderie HAED, donc Heaven at End Earthdazing. Oui, j'ai toujours un accent anglais aussi pourri. Oui, bon. Donc, on va dire HAED, c'est beaucoup plus simple. C'est un modèle que j'avais commencé il y a plus d'un an. Un an et demi, peut-être deux, je ne sais plus. J'avais pas fait grand-chose, hein. J'avais fait cette partie-là ici, voilà. Puis je l'avais laissé de côté, je sais plus pourquoi, mais bon, j'avais laissé de côté. Et là, cette semaine, j'ai eu envie de le ressortir, voilà. Donc je l'ai ressorti et j'ai retravaillé dessus, hein. Du coup là vous pouvez voir, hein, puisque je vous disais, moi j'avais fait que cette partie-là, donc j'ai pas mal avancé, j'ai dû faire à peu près 1000 points je crois cette semaine dessus. Alors je vous montre le modèle, voilà. C'est, alors attendez, je vais regarder si vous, aïe aïe aïe, alors excusez-moi si vous m'entendez dire aïe aïe aïe. J'ai des problèmes avec mon genou. Voilà. Donc voilà le modèle. Mais je vais vous remettre en photo. Ça ira beaucoup mieux. Donc c'est le Hayden Arbor Color Expression. Donc il y a deux versions. Il y a une version avec moins de couleurs. Avec 90, 88 couleurs, je crois. Et celui-ci que moi j'avais choisi qui fait 150 couleurs. Voilà. Donc il y aura quand même beaucoup plus de détails. Et niveau taille, alors c'est un 425 points sur 318. Ce qui fait environ, là, pour ma toile ici. Moi, je le fais sur une étamine 12,6 fil, comme d'habitude. Et ça, j'ai pris une toile qui fait, je sais plus, 80 sur 70. Mais bon, là, il y a une grande marge. Il y a une grande marge dessus. Mais comme ça, moi, je suis bien tranquille. Je crois que j'ai dû faire 10 cm de marge, je pense. Je sais plus. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Bah déjà pour vous montrer la broderie que j'ai ressortie des tiroirs. Et également, sur le groupe, on m'a demandé comment je faisais, comment je travaillais sur cette broderie. Parce que bon, tout le monde a été un petit peu paniqué de voir les fils un peu partout. Donc ça, c'est d'avoir les fils comme ça, on appelle ça la méthode parking. Là, ça va parce qu'il n'y a pas des millions de couleurs, c'est pas confetti, donc ça va. Pour l'instant, c'est confetti, mais je pense que jusqu'au bout, c'est pas confetti, c'est ce que je voulais dire, mais jusqu'au bout, je pense que ça devrait aller. Voilà. Bon, je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai au bout, bien sûr. parce que là, bon, c'est pas une petite broderie, hein. Mais voilà. Alors, on m'a demandé également. Ah, voilà, Fifi qui arrive. Je ne sais pas, non, vous ne l'avez pas vue, mais elle vient de sauter sur le bureau. On m'a demandé également ce que c'était, ça. Voilà. Alors, moi, ça, je m'en sers donc pour entourer les fils pour pas que ça se balade à droite, à gauche. Mais je les ai fabriqués moi-même. Alors, je vais vous montrer un. Non, 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 et pas les griffes sur le bureau, Fifi. Non, non, sa maman, elle veut pas. Voilà, j'en ai fait un. Donc, il y a un aimant. Et voilà ce que c'est. Alors attendez, je vais baisser pour voir. Voilà. C'est une canette de machine à coudre, tout simple. Donc en plastique. Sur laquelle j'ai collé. Hop, je vais me mettre au milieu, ce sera mieux. J'ai collé un aimant.
avec de la colle très forte, donc derrière, et je me sers d'un autre aimant, voilà, pour le fixer sur la toile comme un aimant aiguille. Donc c'est le truc super simple, pas la peine. Alors ça, il y a des choses dans le même style, mais beaucoup plus grand, caoutchouc, tout ça, qui se vendent sur Amazon. C'est pas la peine, hein. Ça coûte pour ainsi dire rien. L'aimant, c'est pareil, hein. C'est des trucs que j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress, donc ça m'a rien coûté, hein, pour ainsi dire, et ça fait le job. Donc voilà, vous prenez juste une canette, voilà, voyez, et vous y collez un aimant. Oh, mais alors. Derrière, et vous prévoyez un autre aimant pour le fixer, donc comme ceci, hop, voilà. Et là, il n'y a plus de problème, ça tient. Et donc, les fils que vous avez en attente, on va les enrouler autour, voilà. Qui veut dire que bon, là c'est ce que je vais me servir en premier, je pense, je ne sais plus, je verrai. Du coup, je l'ai mis, voilà. Là, il est en attente. Là, ceux-là sont en attente également. Alors attendez. Oups. Du coup, je vous remets. Voilà. Ici, ils sont en attente également, mais ils sont en attente pour le prochain tour. Là, alors, quand je l'ai commencé, ouais, j'avais fait un peu plus parce qu'il y avait cette partie-là également. Voilà, j'avais commencé un peu à droite, à gauche, au milieu, côté. Et c'est peut-être ça qui m'a perdu à l'époque. Et là, du coup, j'ai choisi de le travailler en diagonale. Alors, attendez, je vais mettre mon pattern keeper, comme ça je vais vous montrer. Alors, de toute façon, l'HAED, un conseil. Bon, vous pouvez le travailler sur papier. Mais c'est des. Comment? C'est des très très grands ouvrages, des ouvrages très longs à faire. Et le format papier, on peut le faire en format papier, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais là, bon, il y a 40 pages. Donc, il faudra imprimer 40 pages. Mais sur Pattern Keeper, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On s'y retrouve beaucoup mieux. Comment? On se perd moins, on sait les points qu'on a à faire, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. De toute façon, je vous referai une vidéo, hein, sur Pattern Keeper. Hop, attendez, je vais pousser ça un petit peu pour moi avoir de la place. Voilà. Voilà, alors, avec la lampe, ça ne va pas le faire, bien sûr. Voilà, là, je pense que ça devrait aller. Donc, voilà, ça, c'est mon pattern keeper. Donc, c'est la grille de cet ouvrage-là. Alors, vous voyez, vous avez une grille avec des carrés, comme sur le format papier. Donc, 10 sur 10. Mais vous avez possibilité de faire plusieurs réglages, hein, dessus. Mais je vous dis ça, je vais vous faire une vidéo à part pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, je suis pas une pro non plus de pattern keeper, hein. Il y en a qui s'y connaissent peut-être encore mieux que moi, mais au moins je pourrais vous donner les grandes lignes. Pour comment utiliser Pattern Keeper. Alors, il faut savoir que Pattern Keeper, c'est une application que vous pouvez mettre sur votre tablette. Vous pouvez mettre aussi sur votre téléphone, mais alors, ça va être tout petit. L'idéal, c'est la tablette. Il n'y a pas encore de version officielle pour l'ordinateur. Je crois que c'est en.
comment en préparation, mais c'est pas encore sorti. La Pattern Keeper, quand vous l'installez, vous pouvez l'avoir un mois gratuit. Si ça n'a pas changé, c'est un mois gratuit. Et après, c'est payant, mais vous ne payez qu'une seule fois. Vous ne payez qu'une seule fois, donc c'est à vie. On ne vous réclamera plus d'autre argent après. Alors moi, quand je l'avais fait, j'avais payé moins de 10 euros, je crois. Mais je crois que ça a tout petit peu augmenté. Je crois que ça doit être 10 ou 12 euros maintenant. Je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger. Mais vous payez ça une fois, c'est tout, fini. Après, vous êtes tranquille. Mais au moins, vous avez toutes les fonctionnalités. De toute façon, quand le gratuit, c'est un mois, hein, vous ne l'aurez pas plus longtemps. Donc voilà, ça, je vous referai une vidéo là-dessus. Ce sera beaucoup mieux. Alors, là, bien sûr, hop, ici, j'ai ma liste de toutes mes références DMC que j'ai besoin pour ce modèle. Voilà. Donc là, celui-là est en surbrillance parce que c'est celui que j'étais en train de faire hier. Voilà. Alors, moi, je vous ai dit, maintenant, je le travaille en diagonale, vous pouvez voir. Et pour ça, j'ai mis les lignes de diagonale que vous avez dans les paramètres. Donc, tout ça, c'est des choses que je vous expliquerai sur la prochaine vidéo. Donc voilà. Et ce que je vous disais sur Pattern Keeper pour les grands modèles comme ça, ou les modèles qui sont confettis, par exemple, c'est l'idéal pour. Attendez, il y a juste un petit truc, je reviens. Excusez-moi. On est venu nous mettre enfin notre porte entre la pièce de devant et celle-ci. Puisqu'il n'y avait pas de porte, enfin, il y a la porte qui existait, quand on est arrivé dans le logement, elle n'était plus là. Et là, j'avais demandé qu'on vienne me remettre une porte. Comme ça, déjà pour l'hiver, je peux fermer, il fait moins froid. Et aussi, en prévision, peut-être par la suite, que l'on mette notre chambre en bas, dans la pièce de devant. C'est la seule pièce où on pourra le mettre. Faire la chambre. Et du coup, la litière de Fifi était dans cette première pièce. Et là, elle a vu la porte qui est fermée, elle était un peu perdue. Donc là, ça y est, je lui ai remontré. Ben, je lui ai montré déjà plusieurs fois aujourd'hui où était sa litière, mais ça devrait aller. Bon, allez, on reparle broderie. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, si vous avez un ouvrage confetti, Pattern Keeper, c'est l'idéal, hein. Voilà. Il faut que vous ayez votre broderie en PDF, mais bon, tout ça, je vous l'expliquerai sur la prochaine vidéo pour pouvoir le télécharger dessus. Là, les HAED, on les a en PDF, hein. Voilà. Donc voilà, voyez ici, donc on peut agrandir tant qu'on veut, hein. Donc moi, j'ai déjà fait tout ça ici. Voilà, vous voyez, tout ce qui est coloré. Pas en jaune. Hein. En jaune, c'est ce que je vais faire par la suite. Ici à côté, du coup, on connaît les points qu'on a fait. Comment je vais vous montrer? Alors, je vais enlever celui-là. Hop. Alors, par exemple, je veux faire. Voilà, je veux faire celui-là. Et ben, j'ai juste à cliquer sur la loupe, mais pareil, tout ce détail-là, je vous le remontrerai plus bah, en détail, c'est qu'à le dire, sur la prochaine vidéo. Voilà. Allez. J'étais trop vite. Voilà. Donc là, maintenant, c'est en surbrillance, donc je peux broder cette partie-là. En sachant que moi, j'avais déjà arrêté. Alors, c'est une question qu'on me posait également. Comment je faisais pour savoir où se trouve mon fil, pour quel point, dans quel point. Donc là, vous avez le fil. Alors, attendez que je vous rebouge. Voilà. Vous
Ici, vous avez un fil bleu, là, vous voyez, hop. Donc, il y a déjà, j'ai déjà fait un demi-point. Voilà, c'était pour marquer mon... là où je devrais reprendre par la suite. Donc, comme je vais reprendre aujourd'hui. Et je le marque, vous voyez, hop. Je vais vous l'agrandir. Voilà, je le marque comme ça. Donc, je sais que le fil bleu qui est là, ben, il est ici sur ma grille. Voilà. Bon, là, je suis agrandie au max. Voilà. Bon, ça, c'est pareil. C'est des choses que je vais vous expliquer. Mais voilà, on me demandait comment je faisais pour retrouver mes points. Pareil, là, vous avez un fil rose. Et le fil rose est ici. Non, pardon. C'est moi qui ai été trop vite, là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, le fil rose, il est ici. Oui, si, j'avais bon. Il est ici. Donc là, il n'a pas encore été brodé. J'ai juste fait un demi-point. Mais je sais que quand j'arriverai là, ce sera ici. Et donc, j'aurai plus qu'à cliquer. Voilà, j'en aurai deux à broder. Et après, par la suite, je regarde où est-ce que j'en ai d'autres. Ils sont là. Donc, celui-là, je vais le broder également parce qu'il est sur ma ligne de diagonale. Mais je ferai un arrêt sur ce point-là. Voilà. Et là, je ferai pareil, un demi-point et je marquerai comme ça d'un demi-carré rose. Voilà. En fin de compte, c'est très facile. Hein. Bon, ce qui est le plus embêtant, enfin, c'est quand on a énormément, énormément, énormément de couleurs et qui sont confettis. Là, dans ce cas-là, essayez de soit de travailler par carré ou voilà, ou alors vous faites 4 carrés d'un coup. Donc voilà, là ce que je vais faire pour terminer la vidéo, je vais broder un petit peu en même temps, comme ça vous allez voir ce que je vais, comment je vais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en sachant que je vais vous faire de toute façon une vidéo sur Pattern Keeper. Avec il y a un modèle qui, alors j'espère qu'il est encore là, je vais regarder parce que maintenant le HAED ne met plus beaucoup de modèles gratuits, ils en mettent. Hippipipora, elle a trouvé sa litière. Hippipipora, alors est-ce que oui, HAED, il est là. Donc voilà, ça c'est le site HAED. Donc ça c'est pareil, je vous expliquerai comment choisir dedans, comment commander, enfin acheter des grilles. Voilà. De toute façon, là sur ce site, vous avez là, par artiste, vous avez ici tous les créateurs. Donc là, il n'y a aucune grille création de volets. Ce sont toutes les créations des créateurs qui sont dans ce site. Hein. Et vous pourrez avoir, justement, quand vous irez voir dessus, comment... Certaines grilles vont vous dire, tiens, j'ai déjà vu ça sur certains sites chinois. Donc, vous aurez compris. Donc, moi, je cherchais... Alors, je vais reprendre le nom. Hop. Andy Russell. Donc, Russell. Donc, il faut chercher avec les noms de famille. Hein. Bon, si je ne le trouve pas, je vais le mettre... dans la recherche. Je crois que j'irai plus vite à faire en recherche. Et il y a énormément, énormément, énormément de choix. Oui, celle-là, ça doit vous dire quelque chose, hein.
Ah, bah tiens, c'est une de mon groupe va faire ce modèle-là. Et je le trouve très très beau. En noir et blanc comme ça, avec des gris. Il est vraiment très très beau. Bon, c'est pas ça que je cherchais. Et ah, voilà, Fifi a fait tomber une croquette. J'en ai deux qui sautent dessus pour aller manger la croquette. Alors, je vais taper Andy Russell. Ça ira plus vite. Hein. Si j'ai pas fait de faute. Non, j'ai pas fait de faute. Voilà. Donc voilà tous ces modèles. Alors des fois, vous voyez 113 dollars, c'est parce que vous pouvez avoir le kit complet des fois. Alors moi, le mien, il a... J'aime beaucoup, c'est des modèles assez... Le voilà, le mien. Comment? Un peu fantaisie, un peu enfantin. Donc voilà, le mien. Donc, il est à 19 dollars. Mais c'est pas ça que je cherchais en plus. Bon, c'est pas grave. Ah, ce, non, celui-là, c'est celui de 89 couleurs. Voilà. Celui-là, c'est 89 couleurs. Et donc, c'est celui-là. Voilà, 150 couleurs. Voyez, alors si vous le prenez en format régulier, il y aura 34 pages, en grand format 40 pages. Moi, je prends toujours en grand format, moi c'est très, c'est mieux détaillé, voyez. Mais ça, c'est pareil, je vous l'expliquerai le moment venu, enfin le moment venu, l'heure de la vidéo pour vous montrer comment on fait. Alors, je disais donc, qu'il y a, normalement, il y avait un modèle gratuit en ce moment, le voici. Ça y est, ça change pas. Hein. C'est comme le samedi soir. Vous l'entendez pleurer? Bon, j'arrive. Donc voilà. Ça, c'est le modèle gratuit du moment. Avant, il y avait 5, 6, 7 modèles gratuits qui étaient là depuis un moment. Mais maintenant, non, ils en mettent un de temps en temps. Il va rester quelques jours. Voilà, donc celui-là par contre, c'est un modèle généré par l'intelligence artificielle. Quelle grosse connerie ce truc! Excusez-moi, mais c'est mon. Les arnaques et tout ce qu'on veut, il va y en avoir de plus en plus grâce à ça. Donc là, il suffit de cliquer dessus pour le télécharger. D'ailleurs, je ne sais même plus si je l'ai téléchargé ou pas. Je vais vérifier tout de suite. Voilà. Donc, je regardais s'il y avait un nom de créateur. Non, il y a Chart Design by Michel Sayeta. Donc là, ça va être un 89 couleurs, mais qui sera déjà d'une taille assez conséquente, hein, 500 points sur 360. Voilà. Mais bon, moi, je vais le télécharger et comme ça, bah, si jamais il s'efface, je pourrai vous faire la vidéo dessus sans problème. Voilà, je vais finir de le télécharger. Alors, HAED ici. Hop. Voilà. Donc, comme ça, il est dans mon drive. Même s'il l'efface, je l'ai. Voilà. Bah, écoutez, j'espère avoir déjà pu commencer à répondre aux questions de certaines d'entre vous. Là, ce que je vais faire, je vais terminer la vidéo en brodant un petit peu. Je vais tendre mes fils en brodant un peu.
Voilà. Donc je vais essayer de rattraper ici. Donc ça, c'était une partie que j'avais fait il y a 2 ans. Là, voilà. Donc je vais la rattraper pour la continuer en diagonale. Alors, il me manque. Alors, j'ai fait toutes mes couleurs. Voilà. Ça, je les avais déjà préparées il y a un moment. Donc ça, c'est la boîte numéro 1. Là, j'ai la boîte numéro 2. J'avais tout bobiné, bien sûr. Là, j'ai la boîte numéro 3. Et ici, j'ai la boîte numéro 4. Oui, j'ai encore les dernières bobinettes et des fils de réserve. Car pour mon modèle que j'ai là, je vais avoir besoin de deux. Non, ça c'est deux fils que je suis bête. Ah, c'est pas sur celle-là, je l'ai pas imprimée, celle que j'aurais voulu montrer, mais c'est pas grave. Il y a. Attendez, je vais regarder. Un peu décousu, hein, ma vidéo, mais elle n'était pas préparée du tout. Je n'ai strictement rien préparé. Alors, viens là, toi. Reviens voir maman. Voilà, ici. Voilà, on sait ici avec le nombre de croix combien. Après, bon, c'est un peu à vous à calculer le nombre d'échevêtres dont vous aurez besoin. En sachant que moi, j'ai trouvé sur un site un fichier Excel. Qui permet de calculer le nombre d'échevêtres que l'on a besoin pour un ouvrage. Voilà. Il faudrait que je le mette sur le groupe, ça. Je ne pourrais pas le partager ici parce que Excel sur YouTube, on ne sait pas les partager, mais je le mettrai sur le groupe. Donc, voyez, bon, quand il faut par exemple 688 points, 281, bon, on sait que c'est une échevette. Là j'ai 2800. Bon, 2800, je vais peut-être en mettre une de réserve. 3100, pareil, je vais mettre une échevette de réserve, mais c'est pas obligatoire puisque là, ici, vous avez la. Alors, eux, ils appellent ça comment? Scan Est. Je sais pas ce que ça veut dire, Scan Est. Mais voilà, là par exemple, vous allez utiliser 0,188. Alors je ne sais pas en quoi il parle, hein, en centimètres, en millimètres, en voilà. Tant qu'il n'y a pas un 1 devant, alors j'ai vu que j'en avais une où il y avait un 1. Alors tu es où? Ah, ici. Voilà, 1,168. Donc là, il faut que je prévoie deux échevêtres. Voilà, vous voyez 4277, et c'est la couleur 3865 justement. Donc là, je dois prévoir deux échevêtres, mais j'en ai quand même en double que j'ai mis de côté au cas où, on sait jamais. Il suffit que moi j'ai une échevette qui se casse souvent, qui a fait des nœuds ou quoi. Voilà. Après, c'est rien, je les remettrai dans ma réserve. Voilà, mais bon, tout ça, je vous l'expliquerai en détail. Je vous ferai une vidéo pour le pattern keeper et je vous ferai une vidéo pour le HAED si vous le souhaitez. Comment lire vos HAED, voilà. Mais écoutez, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des réponses à vos questions, surtout pour celles qui sont sur le groupe, hein, même si vous n'êtes pas sur le groupe. Hein, ah mince, j'ai fait tomber mon aimant. Je suis bête. Je vais ramasser. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai, malgré que vous avez vu, hein, j'ai beaucoup de retard dans les commentaires, mais j'essaye de me rattraper au maximum. Mais ici, ça a été une semaine assez dure.
Je vous expliquerai ça dans le journal créatif ce week-end. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et là, pour terminer la vidéo, bah, écoutez, je vais broder un petit peu sur ma broderie. On va le faire en musique. Et j'attends tous vos commentaires. Voilà, tous vos petits pouces, hein, parce que les pouces, ça permet de faire connaître la chaîne dans le moteur de recherche de YouTube. Voilà, et plus il y a de vues, de commentaires, de pouces, bah mieux c'est pour moi. Vous savez que moi, de toute façon, j'ai une chaîne monétisée. J'en ai pas honte. Moi, ça m'aide. Et donc, plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces et plus il y a de vues. Ben, plus ma chaîne est monétisée, malgré que je ne gagne vraiment pas beaucoup, beaucoup du tout. Je ne peux pas vivre avec ça, hein, pas du tout même. Ça met juste un tout petit peu de beurre dans les épinards, ou si j'ai besoin d'acheter une broderie, ou voilà, voilà à quoi ça me sert. Donc voilà, alors allez-y, lâchez-vous, posez vos questions. Dites-moi également si vous faites des HAED. Dites-moi quel modèle vous faites, pourquoi pas. Et puis si vous aimez, si vous avez envie d'essayer, si vous avez essayé mais qu'en fin de compte, ça, c'est pas votre tasse de thé, bah dites-moi tout. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Ne partez pas tout de suite. On va broder un petit peu ensemble cette broderie. En attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt! Thank you.
Thank you.
Thank you.